Nous disons bonjour à tout un fidèle internaute. Je dis encore, c'est un plaisir pour nous là avec vous dans quatre émissions Jardin Botanique et d'Horticulture qui passent chaque mercredi. Je dis à sujet que nous portons pour vous, le thème que nous allons débattre avec, c'est l'éducation environnementale. L'éducation environnementale, c'est la formation de la population sur les phénomènes naturels, les phénomènes qu'il y a à l'environnement, sur tout ce qui a passé dans l'environnement. Donc, qui souvent, nous avons tendance pour nous confondre l'éducation environnementale avec la question de planter pieds bois. Donc, j'ai un peu le monde pensé. Donc, l'éducation environnementale est beaucoup plus grande que ça. Et c'est ça que fait, je vous dis, nous avons 6 piliers de l'éducation environnementale que nous allons parler avec. Éducation environnementale ou bien son éducation qui est durable, qui permet que ensemble des populations aient une certaine compréhension des phénomènes naturels, comment pour mieux gérer l'environnement, comment pour mieux gérer la nature. Et le premier pilier nous porter pour au niveau éducation environnementale, c'est comment on est capable de protéger face aux cyclone ou bien tremblement de terre dans des catastrophes naturelles. L'éducation environnementale permet que les populations aient un ensemble de formations sur comment ils sont capables de protéger la tête en cas de cyclone, qui sont phénomènes naturels, en cas de tremblement de terre, qui meilleure position pour prendre, par exemple, les tremblements de terre. Dans une communauté. Si on a kay qui meilleure position pour vous, si on a la rue, on a qui bon pour marcher dans la rue. Donc, en cas d'éclipse solaire, encore, qui gens ou même ou de protéger par rapport à tout phénomène naturel. Normalement, en cas d'éclipse solaire, il est mieux que tout le monde soit à l'intérieur. Mais si pas mal les gens ont urgence, il faut qu'on porte des lunettes, il faut qu'on forme. Et la population, il faut que vous portiez des lunettes, spécialement Timon. Donc, l'éducation environnementale est liée en pile avec Timon. Parce que pour gagner une génération qui comprend ce qu'est l'environnement, il faut que nous vraiment commencer par Timon. C'est ça fait. En pile fois, nous parlons d'éducation environnementale au niveau des écoles. Et en cas de tsunami, qui est encore un phénomène naturel, il faut que nous formions la population sur ce que c'est l'écosystème des mangroves. Il faut que nous formions la population pour connaître en cas de catastrophe naturelle qui est fait pour protéger bien. Et le plus souvent, nous en Haïti, c'est chaque fois qu'il y a un cyclone. Donc, il y a des messages qui passent, qui disent mais ça pour faire, mais ça pour faire. Mais l'éducation environnementale, là, son bagage, on a été de connaître dès le départ, depuis l'âge 5-6 ans. On a de former sur ensemble des phénomènes pour connaître les phénomènes arrivés, qui ça vous le fait, donc pour le protéger tête, pour qu'il soit capable de protéger bien. Et l'autre pilier que nous avons porté pour l'éducation environnementale, qui c'est la gestion de l'eau. La gestion de l'eau fait partie de l'éducation environnementale parce que sans l'eau, nous ne sommes pas capables de vivre. Alors que il y a pile problème qui gagnent au niveau de l'utilisation de l'eau. Donc, il prévoit 20 ans après qu'il y a un problème de l'eau au niveau planète. Donc, tout ça lié par rapport avec la façon que nous utilisons les ressources, ça qui c'est l'eau. Et nous, journée aujourd'hui, comment l'eau venait, on a dit, il y a un business qui commence à développer. Mais 20 ans après, 20 ans encore, l'eau est quoi un luxe au niveau planète, si toutefois nous pas. C'est-à-dire utiliser un moyen pour nous utiliser. Et l'autre pilier qui nous porte pour encore, c'est la gestion des ressources naturelles. Par exemple, nous connaissons une ressource naturelle qui nous vient, qui est très importante, qui est la sémence. Et des fois, nous ne pas ça une grande importance. Et l'éducation environnementale au niveau de gestion des ressources naturelles, il apprend à tout le monde comment préparer ces semences, comment planter les, c'est tout ça qu'on fait au niveau de l'école,
comment on plante, c'est-à-dire depuis la préparation de semence jusqu'à la récolte, pour former ces gens-là, pour avoir une habilité, pour avoir une compréhension. Donc, on peut arriver dans un pays, si on est agronome, et puis on joint un médecin ou bien un monde quelconque, il est capable de tout bagage, même s'il n'est pas dans le grand domaine. Parce que il doit recevoir une éducation environnementale dès le départ. Mais il est très difficile en Haïti si on n'est pas agronome pour pouvoir comprendre tout bagage. L'éducation environnementale par rapport avec les ressources naturelles, lui permet de tout connaître qui gens sont capables de transformer les déchets en végétal. Par exemple, si nous prenons les cas de calebasse que nous connaissons en ville en Haïti, donc nous pouvons utiliser pour nous faire artisanal. Mais si nous apprenons à utiliser les calebasse, non seulement pour faire artisanal, mais pour innover là-dedans, pour venir avec et des bagages qui nous pas habitués à faire. Dans le cadre d'éducation, environnementale, là, si nous sommes capables d'innover pour venir avec des bagages qui sont plus ou moins et agréables qui nous pas habitués à faire. Encore, comment nous sommes capables de transformer déchets en compost? Ça fait partie de l'éducation environnementale. Donc, si nous sommes dès le départ, ils connaissent les déchets organiques, nous sommes capables de transformer en compost, ou capable de réutiliser, c'est des ressources qui sont capables d'exploiter. Mais malheureusement, en Haïti, donc, depuis que nous finissons de manger une figue, par exemple, nous jetons pour n'importe comment. Alors que c'est encore richesse liée. Si nous prenons le cas du Canada, qui travaille dans la fabrication de compost, donc qui vend compost par Haïti, par la République dominicaine, par les États-Unis, c'est une grosse source de revenus qui est liée au pays. Mais malheureusement, nous-mêmes, qui c'est un pays tropical, côté que nous avons pile feuilles bois, nous avons pile déchets, mais nous puissions quitter les déchets ça, et au niveau de côté au paradoyer, nous puissions faire politique que nous utilisons pour nous transformer, pour que nous capables de faire pays en bay pays a beaucoup plus richesse. Et l'autre pilier que nous sommes capables de porter encore sur l'éducation environnementale, c'est l'utilisation des toilettes. Donc l'utilisation des toilettes, nous sommes capables de dire, c'est trois bagailles qui causent plus de problèmes au niveau de un groupe. Au niveau de un groupe, nous connaissons la question de nourriture. Un groupe qui sort ici, si nous n'avons pas de temps, formation en éducation environnementale au niveau et l'école au niveau d'Adi Lakaïli, ça capable poser problème. Elle arrive pour la servir, comment servir. Donc, ces trois bagages qui posent plus de problème, c'est nourriture dans un groupe, c'est toilettes, c'est lieux publics côté que tout le monde dans le groupe l'Haïti a utilisé, et encore, c'est les sexes. Alors, on va dire là, mon nom, c'est les sexes. Par exemple, dans le groupe, yo, donc, pour former ces gens-là, comment ils réagissent par rapport à l'autre monde qui est à côté de là, qui fait partie de l'environnement, le monde qui est fréquenté. Donc, tout est pilier ça, il est lié directement avec sa créée éducation environnementale. Et l'autre bagage encore qui nous pose problème, c'est le comportement de la population face à la nourriture, j'en ai dit, au niveau du groupe. Donc ça capable de créer un pire problème. Là où arriver, imaginons nous sortir avec un groupe, nous arriver, si nous n'avons pas connu qui quantité manger pour le prendre, faut prendre quantité pour le quitter pour l'autre qui venir et puis il plein assiette li l'aller. Donc tout ça il fait partie de l'éducation environnementale. Et le plus souvent, nous avons tendance nous lier directement avec la question de planter pied-bois. Planter pied-bois, c'est une partie qui est liée dans l'éducation environnementale là, mais il y a un pile de bagages encore qui est lié avec l'éducation environnementale, qui c'est une éducation qui est durable, qui est capable de permettre à un pays de passer de un niveau A au niveau environnemental à un niveau B. Donc, à dire dans le Caraïbe là, il y a un pays qui est très très puissant en ce qui est l'éducation environnementale, c'est Cuba, parce qu'il y a un pile de jardins botaniques qui travaillent sur ça, et dès le départ, ils mettent des programmes pour que tout le monde ait une compréhension en ce qui est l'éducation environnementale. Donc au niveau jardin botanique des cas, on fait éducation environnementale là à deux volets. Côté que nous gagnons un groupe en les écoles spécialement
que nous gagnons éducation qui formelle avec eux. Nous gagnons des écoles qui en partenariat à côté qui nous fait des séances de formation. Si nous venons dans le jardin, nous venons comprendre qui c'est éducation environnementale là. Et nous gagnons l'autre groupe qui c'est monde qui a venu des familles qui viennent directement sans qu'il y ait pas dans le programme et nous profiter pour que nous fait et message ça passer pour une compréhension de ça que l'éducation environnementale qui c'est une dans gros là des piliers au niveau de un pays. Donc si vous avez un jeunesse qui a grandi sans éducation environnementale ou un jeunesse qui a grandi sans qu'il pas une compréhension de tout phénomène naturel qui a contourné au jour le jour au niveau et des communes au niveau du pays à beaucoup de là, donc là très difficile pour que y ait une solution. Et l'autre bagage que nous pas parler de c'est l'utilisation des poubelles, ça après les tri, comment faire des tri. Donc à chaque fois ils vont côté, donc où est une poubelle rouge, qui ça veut dire, ou une poubelle qui est vert, qui ça veut dire. Et à chaque couleur des poubelles, ça y a des significations. Donc objectif nous au niveau du jardin botanique, nous aider la population à la dire, mieux comprendre l'utilisation des déchets, l'utilisation des poubelles, comment on protéger contre les phénomènes naturels et comment en termes de plantation, en termes de gérer l'environnement, comment on est capable de faire. Donc, merci, un plaisir pour nous être avec vous matin. Donc, merci parce que vous avez regardé la vidéo. Vous avez été connecté pour une autre vidéo. Encore, merci.